début de colonie, une vingtaine à trentaine d'ouvrières, je suis mauvais en estimation. Hein. Se portent bien, là, ça fait plus d'une semaine que je les ai. Et ces images ont été tournées quelques jours après. D'ailleurs, on voit des nouvelles ouvrières qui transportent des larves. Voilà, je fais son petit bout de chemin. Donc, il y a eu pas mal de naissances quand je les ai reçues. Plus déjà un major au début. Puis au fil des jours, j'en ai vu apparaître plus. Donc là, j'en ai avoir entre 3, 4, 5, je dirais. Parce qu'ils sortent pas tous en même temps. Et elles sont bien creusées dans le coton, donc je vois pas beaucoup. Donc forcément, on voit quelques larves par-ci par-là. Et sinon, c'est tout. Mais je sais qu'il y a des nymphes, vu que j'ai toujours des naissances, même là à l'heure actuelle. Donc là, j'aurais donné une mouche. Donc la ginette s'est sortie comme ça. Vraiment. Donc ils sont tout de suite jetés dessus. Pareil, le liquide sucré au début. Elles étaient au bout d'une seconde 10 dessus. Donc là, j'ai rajouté de la lumière. Voilà. Et là, du coup, on voit même la petite ouvrière qui se met direct au travail. Donc ça fait moins d'une journée qu'elle est née. Et du coup, là, on peut voir qu'elles sont pas mal dessus. Il y a un soldat qui est venu faire le bulldozer et qui maintenant est reparti. Alors les soldats, ils sont pas beaucoup intéressés, c'est bizarre. Non, c'est plus les soldats qui découpent les proies. Bon, là, c'est pas le cas. Et là, faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai remis une punaise. Donc, savoir, c'est pas les punaises des diables, c'est des punaises brunes. Et elles l'ont tout de suite traînée. D'ailleurs, c'est dingue. Mais c'était 3-4, elles ont réussi à la traîner alors que elle faisait déjà beaucoup plus d'un centimètre de long. C'est assez étonnant, elles l'ont tout de suite tiré comme ça. Donc là, la mouche, je l'ai retrouvée sèche, donc vraiment le gastre, plus rien dedans. Donc faut savoir, c'était une mâle, donc pas beaucoup de nourriture dans le gastre. Bon, c'était leur premier insecte, donc je voulais pas leur mettre un truc trop gros. Et là, j'ai vu qu'elles l'ont bouffé vraiment en une journée, donc j'aurais mis un gros truc. Donc, à savoir que j'ai essayé de les renourrir entre deux avec du liquide sucré. Elles l'ont snobé, je suis resté une demi-heure, 45 minutes devant. Bah, rien, aucune fourmi dessus. Il y en a qui sont venus taper les antennes, vraiment rien. Attends, ça faisait quelques jours que je les avais pas nourris. Là, j'ai réessayé non plus, là j'aurais mis la punaise tout de suite. Donc celle-là, je pense vraiment fan des insectes. Même la punaise, au début elle sentait vraiment fort parce que c'est une punaise et que j'en ai capturé plein. Et au fil du temps, elle a perdu son odeur, donc ce que j'attendais. Parce que j'allais pas leur foutre une punaise, sachant que Dilithropode a eu un problème avec une punaise. Donc sachant que c'est pas les mêmes punaises, mais quand même. Donc là, j'ai attendu qu'il n'y ait vraiment plus aucune odeur pour le faire. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et voilà. Donc à plus.